Lavez fréquemment les mains et le visage. Lavez fréquemment les doudous, mais aussi régulièrement les jouets. Ne pas ramener de poussière dans la maison. Passez la serpillière le plus souvent possible. Ne pas consommer les légumes, feuilles et fruits issus des jardins potagers irrigués par leur biel et ses affluents. Ne pas consommer d'eau provenant d'une source ne faisant pas l'objet d'un contrôle sanitaire régulier. On a reçu les résultats, j'étais seule. Et là, catastrophe, les résultats indiquent un taux de 52 pour Rose et 39 pour Alix. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Je reprends et je me pose, je me vois encore me poser et prendre le temps. Et là, oui, OK, d'accord. Et alors là, j'ai une sensation de tomber dans un trou, un grand vide, quoi. Tout qui un moment de panique complète, quoi. 14 euros, 75. Merci, je vous rends 1 euro. Merci, vous pouvez y aller. Qui dit arsenic dit produit qui n'est pas censé être dans un corps humain. Est-ce que potentiellement, si elles sont dehors, elles sont pas en train de trafiquer avec la terre qui est pleine d'arsenic ou de respirer un air farci de molécules d'arsenic. Enfin là, je vous en parle, j'ai la boule qui monte. C'est quelque chose qui est. On est ici, on est chez nous. Puisqu'on a acheté la maison, on a fait le choix, c'est un choix de vie d'être venu ici, d'avoir posé les valises à Conques. Mais en même temps, je me dis, il y a un bandeau noir dans le fond de ce décor qu'on apprécie énormément, qui me fait perdre les pédales quand vraiment j'y pense sincèrement et voilà.